Alors, en 2022, parmi les personnes qui nous ont fait voyager, il y avait là-dedans au moins une personne qui a eu le visa étudiant. Et lorsque la personne elle est arrivée en Belgique, parce que la personne a eu le visa étudiant pour la Belgique, quelques mois plus tard, la personne m'a écrit et puis elle m'a demandé: Gars, mon frère, depuis que je suis là en Belgique, je n'ai pas encore trouvé mon premier job, c'est assez chaud sur moi et tout, et tout, et tout, et tout. Et donc, je lui ai donné quelques petits conseils, ça et là, pour pouvoir obtenir son premier job. Et aujourd'hui, la personne a eu son premier job. Et donc, je suis content pour lui, d'autant plus que c'est quelqu'un que nous avons accompagné, c'est quelqu'un qui a décidé de nous faire confiance. Et puis, donc, voilà, c'était avec un grand plaisir que j'ai pu prodiguer mes conseils et je suis content de savoir que mes conseils ont pu plus ou moins l'aider aujourd'hui. Et donc, dans cette vidéo, je m'en vais donc partager avec toi quelques petits conseils, quelques petites tactiques pour pouvoir trouver ton premier job étudiant lorsque tu viens d'arriver en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en France et what and wherever. Donc, si tu me découvres la première fois, moi, c'est l'entrée. Je suis étudiant, je suis Camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici, si on parle de voyage, nous parlons de voyage. Et donc, si tu as besoin, par exemple, d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de visa en 2024, nous serons ravis de te compter parmi nos clients qui sans cesse deviennent de plus en plus nombreux. Ce que tu dois déjà comprendre, c'est quoi? C'est que trouver un job est intimement lié au papier, à ton titre de séjour. Donc, si tu n'as pas un titre de séjour valable, tu n'as pas le droit de travailler. Pour les personnes, par exemple, qui viennent d'arriver, pour les personnes qui arrivent, par exemple, en Belgique avec un visa étudiant, il faut avoir prolongé ton séjour en Belgique pour pouvoir obtenir la carte de séjour. Et c'est grâce à la carte de séjour, justement, que tu obtiens le permis de travail. Donc, si tu n'as pas ce permis de travail, là, tu ne peux pas travailler. Et c'est plus ou moins la même chose lorsque tu viens d'arriver, par exemple, en Allemagne. Il faut avoir les papiers pour que tu puisses travailler. Généralement, le visa que tu obtiens n'octroie pas toujours directement le droit de travailler. Et dans la plupart des cas, si ce n'est pas explicitement écrit sur ton visa que tu as droit, par exemple, à 20 heures de travail par semaine, alors il faudra aller à l'autorité des étrangers de ta ville. Et puis demander à ce qu'on puisse t'attribuer ce document-là. Maintenant, généralement, lorsque, par exemple, la plupart des personnes qui arrivent dans les pays comme l'Allemagne pour étudier arrivent avec une admission en cours de langue, et puis ces personnes-là doivent d'abord faire au moins 3, 4, 5, 6 mois de cours de langue et réussir l'examen qui permet qui donne accès aux études à l'université. Et après avoir réussi ces examens-là, c'est justement à partir de là qu'on leur signe généralement les documents, notamment aussi le permis de travail. Donc, il faut avoir le permis de travail pour pouvoir travailler. Si tu n'as pas de permis de travail, alors tu ne peux pas travailler. Maintenant, si tu n'as pas de permis de travail et que tu veux absolument travailler, bon, c'est aussi possible. C'est vrai que ce n'est pas toujours très légal, mais il y a par exemple des petits jobs que tu peux faire, comme des trucs comme les déménagements. Mais le plus important ici est juste que tu ne fasses que des trucs où on va payer directement en barquette, on va payer directement en cash. Pas de transactions bancaires, rien, 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 parce que sinon, ça risque de retomber un jour sur le dos ou bien sur la tête. Donc, si tu n'as pas de papier, alors il faut juste te verser sur les petits jobs, les déménagements et tout le reste, et puis te contenter de ça, pouvoir remplir ton frigo et tout, et tout, et tout. Donc, moi, personnellement, dans la suite de la vidéo, je m'en vais te présenter, je m'en vais te partager avec toi mon expérience personnelle en tant qu'étudiant, comment est-ce que je me suis débrouillé à mes débuts, et comment est-ce que je me suis comporté jusqu'ici avec les jobs pour pouvoir arriver jusqu'où je suis aujourd'hui. C'est vrai que je suis encore étudiant, je ne suis pas encore arrivé où je compte arriver. Mais bon, ma petite expérience, au moins, je me dis que si je la partage avec toi, un peu comme je l'avais partagé avec notre client qui est arrivé en Belgique, ça va aider certainement toi également. Ça peut aussi être d'une certaine utilité. Alors, moi, quand je suis arrivé en Allemagne, j'étais arrivé en Allemagne en avril 2018. J'ai eu mon permis de travail en août ou en septembre 2018, je ne sais plus trop.
Et donc, du coup, ça veut dire que j'ai passé pratiquement 6 mois en Allemagne sans permis de travail. En théorie, dans cette période-là, je ne travaille pas, mais je faisais quand même des petits déménagements à gauche, à droite. Et donc, du coup, dans la description de cette vidéo, nous allons certainement aussi te laisser quelques sites internet, quelques sites de déménagement où tu pourrais, du moins pour toi qui viens d'arriver en Allemagne, je le suggère. Toi qui viens par exemple d'arriver en Allemagne, comment est-ce que tu peux faire par exemple pour trouver des premiers petits jobs et tout et tout et tout et tout. Donc, je vais laisser ça en commentaire. J'ai fait pas mal de déménagements et lorsque j'ai eu mon permis de travail, j'ai commencé à travailler à gauche, à droite. J'ai fait un peu de tout. Quand je dis un peu de tout, j'ai travaillé dans les stades, c'est-à-dire dans le cadre des matchs de football, je ne sais pas, Champions League, championnat allemand. J'ai travaillé dans le stade, principalement dans le stade de Leipzig en Allemagne, parce que c'est la ville dans laquelle j'ai vécu au cours de mes 12 premiers mois en Allemagne. J'ai travaillé là-bas et puis je travaillais dans une entreprise de placement. Donc, c'était une petite structure qui faisait dans le placement de personnel et puis l'entreprise, en fonction des clients qu'elle avait, elle nous envoyait à gauche, à droite, dans différentes cérémonies. Il pouvait arriver qu'aujourd'hui, on soit appelé à un mariage, et puis la semaine d'après, qu'on se rende à un concert, et puis un jour, on sera peut-être à une émission télé, et puis par la suite, etc., etc. Donc, j'ai fait ça pendant pas mal de temps. Et voilà, c'était un job, bon, c'est vrai que c'était pas un truc à temps plein, c'était vraiment un truc où on t'appelle en fonction de tes disponibilités et en fonction des besoins qu'il y a à l'heure. On faisait également aussi appel à nous. Donc j'ai fait ça pendant une bonne période. Et puis lorsque je suis quitté de Leipzig, je suis parti travailler dans une autre entreprise qui faisait plus ou moins de la même chose, mais elle nous envoyait plus dans les trucs comme les inventaires, dans les trucs comme travailler dans les supermarchés. Donc j'ai plié des habits dans les supermarchés. Et puis, parallèlement, je continuais toujours à faire mes déménagements. Et dans le cas des déménagements, quand je parle de déménagement, c'est-à-dire aménagement, déménagement, démonter les meubles, porter les machines à laver, porter les cuisinières, etc. Un jour même, le pied d'un téléviseur s'était cassé entre mes bras. Heureusement, l'employeur du jour-là, il était assez sympa et il n'a pas vraiment pris ça de mauvais œil. Mais en gros, j'ai fait pas mal de choses. J'ai travaillé dans les restaurants, j'ai fait la plonge. Quand je venais, je me rappelle les premières semaines quand je venais d'arriver à Cologne, par exemple, j'ai fait la plonge dans un restaurant. J'ai travaillé à gauche et à droite jusqu'au jour où j'ai décidé que bon, j'estimais que j'avais déjà passé assez de temps en Allemagne, qu'il était temps pour moi d'arrêter un certain nombre de jobs. J'ai donc arrêté par exemple avec les jobs comme travailler dans les restaurants, tout ce qui est travailler open air. J'étais plus moi trop dans ça. J'ai cherché déjà de plus en plus des jobs où il fallait travailler exclusivement à l'abri, à l'intérieur de la maison. Et voilà comment, par exemple, en 2020, je me suis retrouvé, par exemple, donc en train de faire, par exemple, mon stage académique. Donc, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais fait mon stage en Angleterre parce que c'est là-bas que je visais vu que je comptais également aussi essayer d'augmenter aussi mon niveau d'anglais, je comptais faire mon stage là-bas. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et puis, j'ai fini par faire mon stage en home office. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait un job étudiant normal dans une entreprise. J'ai fait un job étudiant dans quelque chose qui a trait à ce que je fais parce que je travaille dans une boîte où nous vendons beaucoup sur Amazon. Et donc, je suis dans le département qui est chargé du marché français. Et donc là-bas, on est chargé justement de mettre en ligne des produits, d'actualiser les produits, de nous rassurer que lorsque les produits se présentent aux clients français ou francophones qui achètent sur Amazon, que nos produits puissent plus ou moins avoir les mots clés requis, de telle sorte que mon employeur puisse engranger le maximum de ventes possible. Donc, en gros, voilà plus ou moins ce que je pouvais te dire. Et puis, comme j'ai dit en commentaire, dans la description de la vidéo, je vais te laisser quelques liens qui pourraient certainement aussi t'aider si tu es en Allemagne, principalement, si tu veux, par exemple, trouver tes premiers jobs. Je vais te laisser quelques liens et puis
tu vas voir si tu peux trouver du déménagement, des déménagements. Mais vraiment, comme j'ai dit, peu importe le pays où tu te trouves, c'est extrêmement facile de te rapprocher, d'avoir des entreprises de placement qui font dans le placement des petits événements et tout et tout et tout. C'est vrai, c'est pas toujours à temps plein, mais ça te permet au moins d'être certain qu'à la fin du mois, tu peux payer ton loyer, tu peux payer l'assurance et puis tu peux remplir ton frigo. J'espère que tu as plus ou moins retenu 2-3 choses dans cette vidéo. Et si tel est le cas, alors tu m'en vas ravi. Et donc, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça ne te demande rien du tout, juste un clic, tac, et puis basta. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, et puis tu peux également aussi nous laisser un commentaire, tu peux partager avec nous également aussi ton expérience, si tu as pu à voyager déjà. Et puis, voilà, d'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.